Va Marie, ma brave femme de mer. C'est le titre du 9e ouvrage de Magma Gabriel Konaté, présenté ce lundi 22 mai au Conservatoire des Arts Balafaseke Kouyaté de Bamako. L'auteur rend hommage à sa mère, une mère courageuse qui, après des années de veuvage et contre vents et marées, a fait de cet homme un artiste, écrivain, enseignant, bref, un homme au service de la culture. C'est un témoignage qui est fait par un griot et le fils de Pamari lui-même. C'est un style assez particulier, parce qu'il est narratif, mais narré en duo. En duo, à travers 9 symboles très forts de notre société, de notre communauté. L'ouvrage est un hymne au respect des valeurs africaines, la revalorisation de la culture malienne et au rapprochement entre les générations passées et présentes. Et à travers la lecture de ce roman, je me suis retrouvé dans notre culture. C'est-à-dire qu'il y a des symboliques qui sous-tendent vraiment ce roman. Ça nous a montré non seulement le rôle et l'importance du griot, mais la place du griot. C'est-à-dire, d'une manière générale, la place du griot dans notre milieu culturel. Ce livre est la bienvenue parce que ça va nous permettre de s'accrocher à nos parents, de leur parler, de tisser une relation très forte avec eux parce qu'ils ont besoin, ils ont vraiment besoin de ça. L'auteur déplore l'utilisation excessive d'Internet et des réseaux sociaux et appelle à un bon usage pour un nouveau Mali.